Mince. Voilà. Ouais, déjà ça commence mal. Voilà. Bonjour à tous. Web, web. Merde. La caméra. Ok. Pam 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 pam. Voilà, parfait. Ok, on est ready. Salut petit, c'est le petit. Salut Théo. Et vous, ça va bien et toi? Alors on va faire un blind test vite fait, avant que ça commence. Alors. Ok. Alors attendez. Ok, la musique est un peu trop forte. Ah, désolé. Voilà, je vous ai baissé ça. Alors, on va faire un test. Ok. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire entièrement, le test. Je pense sincèrement. Parfait. Hop. Allez, ça commence 7 minutes. On n'aura pas le temps de le faire entièrement, mais bon, on va tester, on va voir un peu. Ça, c'est Emerald Coast, si je dis pas de bêtises. Quoique non, on va se le garder pour une vidéo, en vrai, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très cool. Non, on va se le garder pour une vidéo, en fait. Alors... Est-ce que le son est mieux là peut-être? Je pense que c'est mieux. Alors. D'ailleurs, je voulais savoir comment on pourrait te contacter hors YouTube, genre ta Discord. J'ai Discord, mais je répondrai pas trop dessus. Donc si tu veux me parler, ce serait mieux de passer par Twitter si tu l'as. Et en message privé, normalement. On va vérifier, hein, mais normalement, mon Twitter est en public pour les MP. Ouais, bon voilà, là c'est bon, ça sera en privé, en public, donc du coup tu peux me demander, tu peux venir m'envoyer un MP quand tu veux. Peut-être un peu fort la luminosité, on va baisser un peu. Alors. Ah, ça a l'air un peu mieux. Ouais, légèrement. Alors, car j'ai une chaîne YouTube où je fais du Sonic et j'aurais bien voulu faire un feat avec toi où l'on parle de l'avenir de Sonic et j'ai pas Discord. Pas Twitter, pardon, mais j'ai Discord. Ah, d'accord. Bah, je sais pas si c'est vraiment, enfin... avec du haut de mes 95 abonnés, je sais pas si je suis vraiment apte à faire des feats, hein. Mais ouais, si tu veux. Tiens, je vais te mettre mon... Hop. Mince. Ah putain, je peux pas le voir. Tiens, voilà, je te mets mon Discord dans le chat. Voilà. But the user control the past. And the universe to together tonight.
Ah, on se met dans l'ambiance là avant le concert orchestral. Ah là, j'y ai pensé toute la journée. Hein. Franchement, en vrai, la seule chose qui me rendrait triste, c'est qu'on ait vraiment rien, aucune annonce, juste un concert pour les 30 ans. Genre aujourd'hui, c'est quand même l'anniversaire, c'est le jour J et on aurait juste un concert. C'est un peu triste, je trouve. Allez, ça commence dans 3 minutes. Pam, 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 pam. Je me demande d'ailleurs. Alors, par contre, je suis désolé, mais alors, le. Ouais, j'ai vu la demande. J'ai la demande, j'ai réaccepté tout à l'heure. Si jamais tu vois que j'accepte pas d'ici demain, c'est normal. Hein. Y a peut-être même moyen que j'accepte plutôt demain soir. Mais, tiens, hop, je vais juste baisser un peu. Mais ouais, il y a un truc que je me dis qui est assez. Enfin, je sais pas comment le dire, mais. Je sais plus ce que je voulais dire. Salut, c'est Sonic 2.0. On se met dans l'ambiance là, bon. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ouais, hein. Ça fera l'affaire. Fumez-tu, effectivement. Mais j'ai la musique free de Sonic Frontiers. Oh, ouais, ça serait cool, elle est cool la musique. C'est vrai, fumez-tu, fumez pas. Je devrais peut-être quand même aller me chercher une bouteille d'eau, je me dis. Mais je sais peut-être pourquoi je lag autant. Non, j'en sais rien. Moi, je reviens. Je reviens deux minutes, je vais me chercher une bouteille d'eau quand même au cas où. Oh, les OST de Sonic Forces, c'est toujours une masterclass. Hein. On peut dire ce qu'on veut du jeu, les OST sont incroyables. Allez, on actualise, on va voir. Allez là, lance-toi là, il est 21h. Ton avis sincère sur Sonic Forces? Jeu rushé, donc ce qui en fait un jeu mauvais, mais que j'adore. Avec un potentiel incroyable. Ah,
Le jeu était rushé. Il avait un potentiel scénaristique et gameplay incroyable. Mais il a des OST ouf, dont celle-ci qui est un banger. Salut Ori. Donc ouais, le jeu a été très rush. C'est dommage parce qu'il avait le potentiel d'être un des meilleurs Sonic qui a été fait. Malheureusement, bah, ça n'a pas été le cas. Mais ça n'empêche pas que moi, personnellement, j'adore ce jeu. Mais que c'est pas parce que j'adore un jeu qu'il est forcément bon. Vous pouvez aimer un jeu même s'il est mauvais. Il y en a qui adorent Sonic 06 alors qu'il est considéré par beaucoup comme mauvais. De toute façon, il y a très peu de Sonic que moi je trouve vraiment haché. Vraiment, il y a quoi. Franchement, Sonic Chronicles, je n'ai pas du tout emballé. Bah, ça, c'est mon avis. Il y a quoi d'autre? Il y a eu quoi d'autre? Je me pose la question, attendez. Il y a peu de jeux. Vraiment, il y a eu peu de jeux qui m'ont déçu, moi. Alors attendez, je fais juste un truc. Ok, on est bien là. Yay. Ah non, on a déjà fait comme ça. Yeah. Ouais, bah oui, c'est ça en vrai. Hein. Faut voir ça comme ça en vrai. Malheureusement, on va arrêter là. C'est parti. Allez. Faudra me dire si le son est trop fort ou non. Comment ça, le show? Oh putain! Mais putain, il commence dans si longtemps! Oh, mais bordel! Oh putain! Par contre, les gars, il y a du Unleashed! Il y a du putain de Unleashed! Unleashed! Oh la musique! L'image est magnifique. C'est beau putain, vous avez raison. J'adore le dessin, il est trop trop bien. Je voulais aller faire le blind test au final, mais non. Je veux profiter de cette musique. On va profiter tous ensemble. Allez, on s'ambiance encore là, hein. C'est pas assez. Oula, ça lag. Oula, ça lag. C'est bon, ça lag plus. J'écris des messages en attendant. Hein. Ah non, je risque pas de regarder France-Portugal parce que alors, mon intérêt pour le foot il est de zéro, je pense. Putain, mais c'est quoi ça?
Alors, on va aller faire un test vite fait. Well, I don't show up on great size. I'm just living by my own feeling. And I won't give it one compromise. Just don't... On va essayer de regarder sur Twitch. Je suis pas sûr que ça tienne sur mon PC avec la connexion et tout, mais on peut le tenter. It doesn't matter now what happens. I will never give up the fight. Well, I wish. Ah, c'est si plaisant. La musique est bonne, la musique est très très bonne. Hein. Déjà 30 ans, ouais. C'est fou. Ouais, bon. On va aller regarder sur YouTube, je pense que c'est mieux. On va aller regarder sur YouTube, je pense que c'est mieux. Putain, ça, ça m'emmerde. Ah là 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 là. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais les musiques de Sonic, franchement, tu peux rien dire. Elles sont incroyables. T'as des jeux où elles ont pas de musique folle, genre Chronicles. Mais bordel, je crois que Chronicles c'est le seul jeu je trouve avec la BO la moins intéressante. Le reste, mais... Oh, j'adore, putain, ça ambiance tellement. Mais moi c'est bon là, ils me font 15 minutes là de show comme ça, mais moi c'est bon, je suis comblé, il y a plus besoin du reste. Hein. J'espère que tu vas te concentrer. Ah, bah mec, moi depuis tout à l'heure je suis en train de manger déjà. Hein. Elles sont toutes mozart. Ah, bah mec, franchement, à part la BO de Chronicles, que je trouve vraiment. En fait, Chronicles en général, de toute façon, pas fou. Voilà. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Enfin, c'est mon avis, mais bon. Mais. Ce coup de cheveux pendant une minute, je t'emmerde. Voilà, c'est bon. Pianta. Oh mon dieu, oh le vieux cheveu là qui... Ah putain, c'est trop moche. Attendez, regardez. Non, ouais, non. Pianta, le retour. Je sais pas à quoi je ressemble, en vrai je ressemble à rien là. Franchement Chronicles, ouais, je l'ai pas du tout aimé. Hein. Non mais il faudra au moins que je mette un serre-tête au moins. Grimace. Pas con. Oh, ça m'a trop fait penser au thème de fin. Oui, Forces en plus, oui, c'est le générique de fin. Gros con.
Tu ressembles à ça. Peut-être que je mette un serre-tête, t'en penses quoi au pire? Chronicle, parce que je vais me dire, ouais, le lore est cool. Non, mais après, non, mais en fait, Chronicle, l'histoire est intéressante, hein, et le lore est vachement cool, parce qu'en vrai, c'est un RPG, ils ont bien réussi à faire une bonne histoire, du coup, pour un RPG Sonic, mais vas-y, gameplay, enfin, le... En vrai, non, les combats sont cool, c'est tout, et le lore. Vas-y, mec, attends, je reviens, je vais chercher un serre-tête pour voir. Non mais je dois ressembler à rien, hein, c'est fou. Ah ouais non, vas-y, laisse tomber. Oh, je vais enlever ça direct. Oh, je sais pas pourquoi je me fais du mal. Je suis trop moche. Je suis trop trop moche, je vous jure. Putain. En tout cas, c'est cool Astro m'avoir dit gros con. Je suis mieux là, Astro, lol. Ouais, on va enlever ça, je pense que je fais n'importe quoi avec mes cheveux là. Mon Dieu. Yes. Ah, c'est peut-être mieux, non? Je sais pas ce que je fais, j'en ai marre. J'en ai marre. Avec toujours dans ma coupe de cheveux, je peux rien faire avec. Ouais, je peux rien faire avec mes cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. Oh là là, dans 3 minutes. La collective dans ton... Il faut que tu rebondes. Ouais, en vrai, non, mais j'ai pas aimé Chronicles de toute façon. Pas mon Sonic. C'est dommage, j'ai moyen... En vrai, quand je vois la collab qu'ils ont fait là au couteau no Ken avec Sonic, ils ont moyen de faire un jeu RPG Sonic de malade avec des animations de fou. Je suis BG là, c'est trop ou pas? Est-ce que je suis BG? Oh, vas-y, arrête. C'est n'importe quoi. T'as sérieusement, en plus tu m'as pris. T'as bougé avec tes cheveux. En plus tu m'as pris en photo là. Plus ok, moi ça me prend problème. C'est fou. Ctrl C, Ctrl V. Comment ça, t'en réussis jamais?
deux minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes ready, ma gueule? Donc quoi, ça déjà, c'est pas dans Colors? Si, ça c'est une musique de Colors. Il manque du chat. Bah, il y a Sonic 2.0. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tu vas aller le regarder de ton côté, toi, Astro? D'ailleurs, le son, du coup, il est bon. Bah, je suppose que si Astro a rien dit, de toute façon, c'est qu'il est bon. Dès qu'il arrive sur le stream, si le son est pas bon, il me dit « Oh, connard !» Donc, t'es un petit peu sûr. Ouais, je peux le monter pour vous. Moi, il est assez fort dans mes oreilles. C'est vrai. Bon bah bon concert mec. On va kiffer les gars, on va kiffer. Allez, ça commence. Ça commence. Apparemment, ça a pris 2 ans pour le faire. 2 ans. Vous imaginez du coup là on va faire de Sonic 1 sûrement Team Sonic Racing du coup vu que c'est le dernier jeu en date. Marvel Zone. Et si ça c'était justement Sonic Origins? Non apparemment non. Quand il y a... Oh ouais, quand on va y avoir Crush 40. Évidemment, je vous préviens, mais je vais pas énormément parler, comme vous devez vous en douter, parce que le but est aussi de profiter. Alors évidemment, je vais réagir, hein, mais je vais pas parler tout le temps. Ça me paraît évident, mais je préfère quand même préciser. C'est... On va profiter, c'est important. Pire niveau lui. Franchement c'est que le début mais c'est déjà difficile. Bah oui les musiques sont remixées c'est évident. Thank you.
Alors on en a fini avec Sony. Ah, excusez-moi. Place à Sonic 2. Vous imaginez, entre deux jeux, ils nous font une annonce de fou, genre après Unleashed ou avant. Ce serait... Oh là là. Le jeu où Tails est apparu pour la première fois. Mais oui, c'est beau, putain. L'OST, elle est trop bien celle-là, hein. C'est une de mes préférées. Elle est dans mon top 50 quoi, des préférées, parce que tellement que j'ai préféré. Petit moment stressant là. Allez, ça a passé. Oui. En fait, je veux dire que ça se trouve parmi eux là. Il y a un mec qui jouait à Sonic à sa sortie, tu vois. C'est genre tellement possible. Ou peut-être un mec qui joue encore à Sonic, on sait pas. Tu peux même te rappeler qu'avant la transition 3D qui a divisé beaucoup les fans, avant Sonic c'était incroyable, c'était aux yeux de tous une dinguerie. T'avais la team Nintendo et la team Sega, mais il y avait énormément de gens qui jouaient à Sonic sur Mega Drive. Après la transition à la 3D s'est mal passé, bon bah voilà. C'est quoi ça? Fin de Sonic 2. Moi j'ai très hâte de quand on va voir la 3D hein. Il a un côté épique ce Sonic 2, n'empêche avec la fin. Hein. Sonic the Hedgehog 2, place à Sonic 3, ma gueule.
Ah non. Ah bah non, c'est une Game Gear. Ah ouais, mais on va vraiment avoir tous les jeux. Oh, tu m'étonnes, ça dure 2 heures. On va avoir Knuckles et Chaotix, on va rien comprendre. J'ai jamais fait lui, il faudra que je le fasse. Ouais, c'est vrai. Bon, on va voir ce qu'ils ont fait pour Sonic Génération. A mon avis, Sonic Génération, ils nous ont fait un petit medley. Tout à voir, hein. Lui, on est toujours sur Sonic Game Gear. Non, on est plus sur le même là. C'est quoi ça en direct? Il est mort. Ah, Sonic et Knuckles. Donc on passe directement avec Sonic 3 et Knuckles. C'est un but parce que là, Knuckles, il a arrêté Sonic en Super Sonic. Nick. Je vous avouerai, je commence à avoir chaud déjà là. Pff, putain, je vais avoir chaud chez moi, je sens. Mmh.
Sky Sanctuary. C'est quoi déjà ce robot? C'est pas Metal Sonic, c'est je sais plus ce que c'est, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Moi je me suis revenu juste de lui dans les fan game flash là, les Sonic RPG trop bien, les Final Fantasy Sonic Kicks là. Ok, place à Sonic CD je pense. Sonic Mania! Let's go! Ils font ça par ordre chronologique du coup? Trop stylé! C'est Studio Police! L'intro de Sonic Mania elle pète un truc de malade! Franchement, ce niveau c'est mon préféré hein, de manière, mais vraiment sans hésiter. Hein. Et il a la meilleure OST. Franchement, je crois qu'on l'avait vu dans les trailers. J'étais tombé direct amoureux de ce niveau. Hein. Mighty. Lui c'est bien Mighty et lui c'est Ray. Donc techniquement, après, vu que c'est Sonic 1, 2, 3, Mania et ensuite CD, on aura CD. Ça c'est merde. Ah j'ai oublié le nom. Ah merde. Je crois que c'est le niveau préféré de Astro. Mais ça m'emmerde. C'est pas Frozen Palace ou une connerie dans le genre, je sais plus hein. Press Garden, voilà. En fait, ils vont jouer avec les nouveaux niveaux, hein, parce que oui, il y a quand même pas mal de rééditions de nouveaux.
Ouais. C'est ça ce qui me fout le seum, c'est qu'on a eu Super Sonic dans Mania mais pas dans Forces. Vous imaginez, là on a Forces. Sonic R. Ah, on s'est fait en fumeur en fait pour Sonic CD. Mais ils vont pas le jouer ou quoi, Sonic CD? Can you feel the sunshine? Mais même le mec qui joue, il sait pas comment jouer, ça se sent. Ah si, putain, hey. Ça me rappelle la vidéo du JDG où il avait testé justement ce jeu. Et genre, il avait fait style qu'il était sur les trucs de danse, là, un peu. Où il y a les flèches, ça m'avait buté de rire, ça. Can you feel the sunshine? En vrai, j'aime bien cette musique, elle est sympa. C'est quoi ce jeu? Mais c'est quoi? Il est jamais sorti ce jeu! Mais... On travaille dans une boîte de nuit en Côte d'Azur. Mais oui, voilà, c'était ça qu'il avait dit. Par contre, c'était quoi ces images? On n'a jamais eu ce jeu! Ou alors je m'en rappelle pas. On aurait dit les graphismes de Sonic R avec un peu un style Sonic 3D Blast. Quoi. Sonic Compilation. Sérieusement? Il est déjà sorti? Putain, je connais pas, ça a l'air trop bien en vrai. Mais ils nous ressortent des jeux! Et mais ils nous sortent des jeux sortis du tréfond de leur cul! Hein. Mais ils ont enf... Mais... Mais ils ont complètement dégagé CD, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre ils se sont dit non mais CD pue la merde en fait. C'est dommage, j'ai des putains de musique dans Sonic CD. Un petit mélange de Sonic Adventure 2 et de Adventure 1. Thank you.
Quoi? Mais on peut faire ça? Mais... Ils ont montré un glitch. Mais... Oh, j'y crois pas, on peut soulever le papy, enfin le mec. Final Rush, c'est un niveau incroyable par contre, hein. Vraiment sous-côté ce niveau. Chaos. Oh là là. Oh la musique, putain. C'est Open Your Heart. Open Your Heart. On n'aura pas une partie Adventure 2, c'est dommage. Parce que ça le mérite avec Shadow et tout quand même. Ah, on passe directement en 2006? Ouais, c'est dommage, ouais, y'a pas eu SA2 et Heroes. SA2, on dirait qu'ils ont juste mélangé avec Adventure. Après, c'est peut-être pour Crash 40 et Otani, hein. Non, ils vont pas sauter un niche, je pense. Un niche mérite vraiment un orchestre pour le coup. Après, calmez-vous, parce qu'en vrai, c'est possible qu'en fait ce soit juste réservé par exemple pour la partie avec Crush 40 ou Otani. Donc, ou Crush 40 et Otani, je sais pas s'ils ont mélangé les deux. En tout cas, là, Otani, de toute façon, il a participé normalement. C'est compliqué de montrer du gameplay de 06 sans faire de lag ou de glitch ou de trucs pas fous. Parce que t'auras toujours genre une maniabilité hasardeuse et pas folle. Ouais, ou alors faut montrer des phases, voilà, comme ça, oui, il se passe rien. Je m'éloigne.
De toute façon, ils ont pas pu skip des jeux. C'est les 30 ans. Il y avait certaines cutscenes de 06 qui claquaient. Hein. Moi j'ai bien aimé 06. De toute façon, il y a peu de jeux Sony que j'ai pas aimé. Hein. Mephiles. His word, ma gueule. Non, putain, quel ouest est malade. Oh, let's go, putain. Oh, c'est si beau. Oh, ce passage est incroyable. Pour moi, ce passage montre que Sonic est plus en... que Shadow est plus en dessous. Oh là là. Oh là là, mais ce Sonic, mais putain, mais ressortez-nous le sur PC, on peut ultra acheter 4K, ça. Putain, mais Unleash, mais quel jeu incroyable, bordel, mais... Spagonia. Le petit... la ville inspirée d'Italie, hein. Oh, rooftop run, let's go.
Et bah voilà la musique de nuit. Franchement, je pense qu'il y a bien un jeu qu'il faut passer en orchestral, c'est lui. Non, c'est quoi, Jet? Eh si, voilà, c'est Dragon Road. J'ai réussi à me planter dans mon emoji. Let's go! Perfect Dargaia! Oh là là, mais ce boss final est incroyable, regardez-moi ça. Désolé, mais depuis ce boss final, on n'a pas eu un boss final aussi incroyable. Hein. Même la mise en scène du QTE était folle. Ok, c'est pas fini. Ouais, bon, Lost World. Il skip des trucs. C'est bizarre. Mais ouais, ils ont skip Colors, un peu génération, mais génération, en même temps, il n'y a pas grand chose à faire. Ils ont skip Skeleton The Black Knight, hein. Enfin bref. En vrai, ce jeu était logique à faire en orchestral, hein. Il y a pas mal d'OST orchestral. Mais... Le pire en Tasonic. Désolé, j'aime pas Zavok. Enfin. Donc ouais, apparemment Sonic, on dit dans le chat, faut rester à l'affût. Donc, ce qui a été skippé, c'est normal.
J'ai ma copine qui m'envoie plein de snaps et je peux pas la regarder. Oh, ce niveau. Le meilleur niveau du jeu est de loin. Astro, donc celui qui était sur le stream tout à l'heure, c'est un très bon pote à moi hein, pour ceux qui connaissent. Il avait fait un mode Sonic Heroes de Suicide Hill, ouais, de nuit. Et déjà le mode est incroyable. Et la musique était trop bien. Oh, Forces. Mais ouais, elle est incroyable. Oh, le banger de fou. Ah, les fameux trailers qui nous ont vendu du rêve. Together we can show the world what we can do. Next to you, push me up the wall till the battle's won. Par contre, montrez-nous aussi Infinite comme demain. Si on a Infinite comme orchestral. Arsenal Pyramide, j'avais adoré ce niveau. Oh, c'est ouf. C'est clairement une de mes musiques préférées, mais juste de tout, tout confondu. Putain, l'orchestre, qu'est-ce qu'elle est magnifique! Putain, mais pourquoi ils sont gâchés? Tu es grave! Ce jeu avait des mises en scène de cutscene et tout, vraiment trop stylé. Ah, ce niveau est incroyable. C'est vraiment du linéaire par contre. Mais vraiment pour moi c'est le meilleur. Enfin, c'est mon préféré. Pas le meilleur, mais mon préféré.
J'espère ça en vrai. Alors, Ori et Sonic 2.0, vous enjaillez là, ça va? Ah, Aquarium Park. Aquarium Park est trop bien comme niveau. Je m'excuse, apparemment il y a eu des petits lags parfois. J'aimerais que pour ce niveau là, enfin que pour le prochain jeu Sonic, l'herbe genre bouge quand on court. Mais je pense que ça demandait trop de travail. Cette bouffe. Je suis pas fan non plus de ce niveau-là. Reach for the stars, let's go. Niveau, c'est le bruit quand tu cours en même web. Il y a un petit décalage, mais je vois ce que tu veux dire. Show résumé in... What? Qu'est-ce qui... Quoi? Comment ça, show résumé?
Bon bah on va attendre hein, c'est pas grave, profitons. Bon alors pour l'instant vous en avez pensé quoi de cette première partie? Oh. Franchement les Chao c'est trop mignon, je veux une peluche Chao. Ouais, vous en avez pensé quoi pour l'instant? Tiens, je vais aller voir les snaps de ma copine en attendant. Donc là, normalement, je pense qu'on va avoir la partie avec Rush 40. Hein. Oh là là, mais ça va être fou, ça va être fou, putain, j'ai trop hâte. Mais ma fibre, elle me manque. Papapa. Bah du coup. Hello everyone, nice to meet you. Congratulations on Sonic 30th anniversary. My qui, name monsieur? Is Masato Nakamura. I composed and arranged all the soundtrack of Sonic the Hedgehog 1 and 2. Welcome to this exciting event today. We are pleased to share this moment with you all in celebration of the anniversary of Sonic. When Sega showed me a Sonic storyboard for the first time, I was so excited. I never forget that moment. Not en gros, il dit qu'il a travaillé sur Sonic 1 et 2. Character, it was something I had never seen in the games before. Today, in this event, the orchestra played the special medley of the soundtrack, and the dreams of this music becoming something meaningful has become a reality. I often go to London and New York for recording. It's been an unbelievable experience to see how people are surprised when they find out I'm the composer of Sonic 1 and 2 soundtrack. For the first 10 years or so, the composer of Sonic 1 and 2 had been unknown. Every time I hear that musicians around the world, like Thundercat, Newton Faulkner, are inspired by music, it brings me genuine happiness. C'est quoi ce montage là? The music continues on. We'd like to announce a surprise for the familiar theme song, Green Hill Zone. My band, Dreams Come True, is going to drop the song as a new single. My music partner, Miwa Yoshida, has written new lyrics, and it is my honor for her to sing vocals in this new rendition. I hope you will continue to enjoy and love my music with Sonic for many years to come. Donc le mec a dit qu'il allait faire un vocal, donc en gros il va chanter,
Enfin, il va du coup faire un single de Green Hill Zone. Le Chao est en train de mourir. Mais oui, c'est pas quand il meurt ça, les Chao. Mais il est en train de mourir. Mais putain, mais sauvez-le. Mais ils sont en train de montrer un Chao qui meurt. Mais c'est pourquoi ils font ça? C'est horrible. Aïe 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 aïe, coup dur pour le joueur français hein. Imagine, il répare pas. Ah non, d'accord, il est revenu. Il a pas de jambes, lui. Donc on voit, imagine, il répare pas. Comment ça, il répare pas? Mais j'avoue qu'en vrai, l'idée des Chao comme une grande pause, c'est grave bien. Par contre, c'est bizarre qu'il y en ait qui aient pas de jambes. Allez, ça va reprendre. Mais ils tapent leur main à pose de once. Hein. Mais non, ils sont pas morts, ils dorment. Lui s'enjaille, lui ça y est, là il est lancé, pam pam. Il comprend pas le problème, il dit qu'il voit pas le problème. Mais il s'est fait applaudir par ce chaos trop moche, putain. Oh il est moche. Oh sa mère. Oh bah sa mère voulait pas lui je pense justement. Pour ça qu'elle l'a abandonné dans le jardin. Et il est si moche. Par contre il tape sa mère dans la jambe. Mais il est trop vénère en plus, il est trop moche, c'est quoi ça? Il a des jambes de dinosaure, un... Je sais pas, je comprends pas ce que c'est. Mais il y en a qui ont pas de jambes. Il regarde quoi ça? Ah. Ah, attendez, parce que j'ai l'air d'avoir un peu de retard en fait. Je suis trop fan de la meuf.
Oh, oh mon cœur. Oh là là. Fais-toi plaisir, moi je chante pas parce qu'il y a quand même la rediffusion aussi, mais je vois pas me tout gâcher le truc, mais moi j'arrive à me faire tout le temps, mais pour pas faire chez ma copine à côté, mais bon. Non mais déjà assez avec les histoires de hérissons de cul pour vite là. J'aime trop le style de la meuf. Pour la fin et ça c'est beau. Il y a un chat maintenant, c'est quoi ce bordel? Moi je me serais mis à faire sur le piano. Mais moi je serais gamin après, c'est pour ça. C'est pas fini. Woo!
C'est trop bien. Ils ont mélangé rock et orchestral. J'avais oublié le générique de fin. Ah, ça me stresse, il a pas pris une ligne de rouge derrière. J'ai encore fait le temps la musique. Non, parce que moi je veux du Heroes là, je veux du Adventure 2. Banger!
pas pour la musique du boss. Il y a des musiques qui s'intéressent très net. Bonne partie à Broca. L'intro de Nick est incroyable. Du Amy Jones, au moment, on va rien comprendre. C'était très cool de voir un fan de Sonic chanter. Recarant, let's go Johnny, Johnny Lebron. Open your heart and you will say
précise d'ailleurs, mais dès que c'est fini, je coupe, hein, parce que ce sera tard, il faudra que j'aille dormir après. Mais bon, il y a encore du temps, hein, parce que là, je pense qu'on est... sachant que ça doit durer 2 heures et que ça s'est lancé vers le tout 21h15, ça va finir vers 23h15 et 23h15. Ah, c'est Mickey James. Oui. Allez, on peut peut-être prier pour What I'm Made Of. Mon solide préféré. What comes up must come down. Get my feet down. Il y a toujours la même guitare de Michel Louvert. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont pas oublié Rose. Ils enchaînent avec What I Made Of, je viens plus.
Oh! Green, right, right. I hope everybody's having a great time. This next song is one of our latest songs called Green Light Ride. Sonic CD. Let's go. Donc pour moi tous les jeux zappés, en fait ça va être par poche 40. Théo, c'est vraiment que je n'aurais pas vu un de tes messages. Sera le moment de finir son CD. Allez!
faire un truc, désolé. Cette musique par contre c'est quoi, gros métal là, pas du croire à après on a Live Elder de White Amiga qui me fait très très fan. J'ai mon chat qui est allé comme une grosse merde par terre. S'ils font prix, je dis. Wow! Hey everybody, I hope you're enjoying yourself. This next song is definitely one of my favorites. I hope it's one of yours too. It's called Night. Par contre, j'ai largement préféré Black Knight à Secret Rings. Hein. C'est déjà juste par le fait que ça se passe à la légende arthurienne et non à égyptienne. Enfin, plus pas égyptienne. Yeah.
Ah, il y avait bien Violin Gata quand même. Ouais, je me rappelle plus, c'est pour le temps que j'ai fait. Oh, il m'avait fait péter mon crâne, ce boss de dragon mort là. Excalibur Sonic. The Secret Sword. Ils m'ont dit mettre très d'or là. C'est fini? Non. Non. Mais Level Learn? Il est où? Bah oui, on en veut une autre. Oh, il nous casse les couilles. Mais où? Just follow me. C'est laquelle, elle? Donc on va avoir un Escape from the City, là? Par Crush 40? Est-ce qu'on a déjà eu un Escape from the City par Crush 40? Putain, je sais plus. Non, je crois pas, hein. Ça me dit rien, moi. Oh, y'a l'orchestre avec. Non. Oh non, pourquoi? Donc la seule musique qu'on aura de SA2, ce sera même sur Crush 40. Ah bon, ils ont intérêt à nous faire Raven, mais on a pris un par contre. Set me free. Trust me and we will escape from the city. I'll make it through.
C'est dommage en vrai, je suis déçu ce Sonic là, que j'aurais préféré Johnny. C'était Johnny ou rien, hein. Tant pis. Ouais, Johnny, deux fois en fait, tout ça, mais là, c'est n'importe quoi. Oh, ils sont foirés là. Take my leave, I set you free. Follow me, set me free. So much everybody for joining us. This next song is epic Crush 40. No matter where you are around the world, I want you to sing it along with me. Ah, ça c'est du génie. Goes like this. Oh, oh la totale orchestrale plus de Crash 40. Pas besoin de ça pour aller au solide, putain. Ils ont gardé vraiment la totale pour la fin. Ils savent que c'est une musique les plus emblématiques. J'avoue que j'aurais aimé avoir un petit Neverton Bat. Ça termine pas à 23h15, bah du coup c'est juste que vous aurez compté à partir vraiment de 21h. You
Il y avait Oshu en fait à ce moment-là, c'est bon. Hein. Ouais, ok, c'est la fin là, ils ont mis la totale, ça y est. Yeah, 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 yeah. Ah, ils ont mis la musique la plus emblématique. Pour la fin. Ok. Ah, il y a encore une musique, hein. C'est pas fini. French horn, il y avait des soucis français. Non, voilà. Ça va être stylé d'avoir Amy Jones par contre, je vous jure. Eh ben. Oh là là. Les remerciements évidemment. Oh mince. Eh ben. Putain de merde. Ah bah ouais, c'est bon, ça va terminer. Eh ben. Ok. Eh ben. Waouh. Eh ben, waouh. Waouh. Eh ben, nous, en tout cas, du coup, on va sûrement s'arrêter là, je pense. Parce que voilà. Voilà, c'était déjà incroyable. Moi, je suis un peu fatigué, donc du coup, je vais arrêter le stream ici. Et puis voilà, il y a moyen qu'on se fasse le blind test ce week-end en stream. Donc voilà, restez l'écoute. Merci à tous d'avoir été présents, c'était incroyable. Et puis des bisous, portez-vous bien, passez une bonne fin de soirée. Et voilà, des bisous.